La famille continue de s'agrandir pour Nicolas de Roumanie. Après une première petite fille née en novembre 2020, baptisée Maria Alexandra, le prince déchu et son épouse Alina Maria s'apprêtent à accueillir leur deuxième enfant. La bonne nouvelle a été annoncée le 5 décembre 2021 par l'intermédiaire d'un communiqué. Une date qui n'a pas été choisie au hasard puisque la famille royale roumaine commémorait les 4 ans de la mort du dernier roi Michel Ier, le grand-père de Nicolas. À la veille de la Saint-Nicolas, le saint patron des enfants, nous sommes ravis que notre famille soit à nouveau bénie. Mon épouse et moi-même sommes heureux d'annoncer que nous attendons un bébé pour le printemps 2022. Après Maria Alexandra, nous remercions Dieu de nous donner la joie d'un autre enfant. Pour accompagner ce faire-part, Nicolas de Roumanie, également appelé Nicolas Medforth Mills, a dévoilé une nouvelle photo de famille, un cliché sur lequel il apparaît avec sa femme et leur fille dans les bras, devant un sapin de Noël. L'occasion de voir que la petite Maria Alexandra a bien grandi. En octobre, le couple a célébré ses 4 ans de mariage, après une première union civile en Angleterre en 2017, Nicolas de Roumanie et Alina Maria se sont mariés religieusement à l'automne 2019 dans leur ville résidentielle de Sinaia, en Roumanie. S'il s'agira du deuxième enfant pour Alina Maria, ce sera le troisième pour Nicolas de Roumanie. Le fils de la princesse Elena et du Britannique Robin Medforth Mills, 36 ans, a en effet un premier enfant né hors mariage, une petite fille baptisée Iris Anna Sirjean, née en février 2016 d'une relation avec une ex-petite amie, Nicoletta Sirjean. La fillette n'a été officiellement reconnue par son père qu'en mai 2019, après un test de paternité.